À l'heure où le soleil se couche sur le port de Hong Kong, le Vivaldi, gigantesque porte-container de plus de 300 mètres de long, est à quai. Un peu de répit avant le début d'une nouvelle traversée. La valse des containers est sans fin dans le ciel de Chine. Les dockers ne dorment pas. Inlassablement, des caissons s'empilent les uns sur les autres. Chaque boîte est chargée du nécessaire et du superflu. Made in China, used by America. Des jouets, des produits cosmétiques, des meubles, des boissons, des produits frais et des produits dangereux. Le monde, selon l'OMC, ne peut se passer de ces géants de la mer, nouveaux cordons ombilicaux entre les continents. Ici, entre l'acier et les lumières industrielles, les hommes ont la taille de fourmis. Embarquer à bord du Vivaldi, c'est comme faire une retraite. Un passager sur un transpacifique doit être prêt à se couper du monde pendant 13 jours. Dans ce bâtiment haut de 10 étages, ils sont à peine 23 pour conduire le colosse à destination. Nettoyer ses ponts, repeindre ses coursives, huiler ses machines. Le navire est tout à la fois, une entreprise, une maison et un moyen de locomotion. Le capitaine Cervantier et le pilote du port guident le Vivaldi hors de l'immense zone portuaire de Hong Kong. Un paysage de béton et d'acier que l'équipage ne reverra que dans un mois, après avoir traversé dans les deux sens l'océan Pacifique, le plus grand des océans. Pas de passagers à bord cette fois, si ce n'est l'œil derrière la caméra. Petite nuit de navigation. Nuit blanche pour les officiers. Les hommes se réveillent au large de Yantian, autre port, autre ville champignon née de la nouvelle économie chinoise. Le Vivaldi a jeté l'ancre. Il attend l'autorisation d'accoster. Tony, le troisième officier, est de quart sur la passerelle. Canabico, this is same, Mr. Jim Vivaldi replying, over. 20920. Ok, CGM Vivaldi, l'heure d'arrivée du pilote est prévue à 0920. Nous allons lever l'ancre maintenant pour le quai numéro 1. Merci. De rien. Tony est philippin, une nationalité très représentée sur les cargos du monde entier. Comme ses 15 autres compatriotes, il maîtrise l'anglais, un outil de travail indispensable. Damir fait de même. Il est électricien et croate. C'est le tournevis plat. Celui-ci, c'est le tournevis plat. Croate et philippin, c'est le mélange réussi du Vivaldi. Un cargo d'origine coréenne battant pavillon des Bahamas et appartenant à une compagnie française. Pour l'instant, l'ancre est en mer de Chine. Il s'agit de la récupérer pour arriver jusqu'au quai, où quelques 3000 containers supplémentaires attendent d'être chargés. Je vois la chaîne qui monte et descend. Elle touche le bateau. Ok, faites attention. Parfois, il arrive que la chaîne passe en dessous de la coque. Et si elle touche la quille, elle ne remonte pas librement. Alors, il faut manœuvrer le bateau pour décoincer l'ancre. Pour le Vivaldi, ancre levée. Ancre relevée, ok. Est-ce que tu préfères être sur la passerelle? Le second peut te remplacer.
Ok, fais attention. Le pilote est maintenant tout près du bateau. Il sera à bord dans peu de temps. C'est habituel et obligatoire dans tous les ports du monde d'avoir un pilote à bord pour guider le bateau. Ce sont des gens très expérimentés qui savent manœuvrer. Et bien sûr, ils ont la main sûre pour entrer dans leur propre zone portuaire. Bonjour, bienvenue à bord. Merci. En cette saison, la mer de Chine est perpétuellement dans la brume. Par chance, aujourd'hui, on distingue encore les containers placés à l'avant du navire. Vinco Cervanti a fait toute sa carrière dans la marine. Il quitte plusieurs mois par an les paysages méditerranéens de Dalmatie pour travailler en mer. C'est sa vie depuis 30 ans. Et il s'émerveille toujours des progrès spectaculaires de son métier. Ok, on paye les. C'est ici, entre ces deux cargos. Nous allons nous mettre à cet endroit. Pas trop compliqué ? Oh, il doit y avoir environ 25 mètres de chaque côté. Entre les bateaux, on laisse 25 mètres. Dans ce port, quand ils auront terminé toutes les nouvelles constructions, il sera plus important que le port de Hong Kong. Il y a 25 ans de cela, la première fois que je suis venu en Chine, les chargements se faisaient de façon très archaïque, à dos d'homme. Les dockers portaient la marchandise sur leurs épaules. Ils peuvent charger de 35 à 40 conteneurs de l'heure. Vous savez, aux États-Unis, c'est environ 20 à 25. En Europe, parfois 25, parfois 20 au maximum. Ici, ils embarquent 35 à 40 conteneurs de l'heure. C'est incroyable. Tout le bénéfice de ces performances revient à la compagnie. Peu de temps à quai, moins de frais et une plus grande vitesse de livraison. Dernière chance de descendre à terre pour un voyageur audacieux. Une fois le laissez-passer accordé, il faudra faire vite pour aller en ville, revenir, passer les contrôles portuaires et réembarquer à temps. Mais si tu ne vas pas au commerçant chinois, le commerçant chinois viendra à toi. C'est encore de ce côté du Pacifique que l'on fait les meilleures affaires. Dans le monde à part des cargos, l'équipage doit montrer patte blanche. Contrôle strict à l'entrée. Orlando veille au grain, un œil sur les passeports. Et pour tromper les candidats à l'exil, on n'hésite pas à changer la destination du Vivaldi. Il est pourtant attendu à Los Angeles au plus tard le 27 février. Il y a des gens qui sont à la recherche d'une vie meilleure. La plupart d'entre eux sont des immigrants économiques. On a écrit Calcutta juste pour les rendre méfiants sur la destination du bateau. Qui voudrait se rendre au Bangladesh ou ailleurs dans un pays pire que la Chine? Une journée complète de stationnement au port. 19 heures de chargement. Le bateau sera rempli au maximum de sa capacité avant de quitter ce côté du Pacifique. Le second du capitaine contrôle par ordinateur la place de chaque conteneur sous l'œil averti d'un technicien de Yantian. Zeljko est un jeune second. Il a à peine 31 ans et sa courte carrière correspond exactement à l'expansion du commerce maritime de la Chine. En 11 ans, il a parcouru le monde sur un axe est-ouest, un axe qui le ramène toujours dans les ports chinois.
En Chine, la plupart des conteneurs que nous chargeons sont pour l'Amérique. Ils sont tous pleins de marchandises. En Amérique, nous ne chargeons que des conteneurs vides pour la Chine. Ça veut dire qu'ils n'ont besoin de rien venant des Américains. Et là, vous pouvez voir que 90% du bateau est rempli de conteneurs chargés. Nous n'avons aucun conteneur vide, pas un seul. Aussi réglé qu'un métronome, la rotation des grues de chargement berce la vie du port et celle des marins. Dès demain, l'équipage du Vivaldi se réveillera en pleine mer. Mais en attendant, tant que les dockers travaillent, Zeljko, le second, est à son poste. Il est bientôt minuit. Les Chinois font du très bon boulot. Ils travaillent 24 heures sur 24. Pas de pause. Ils sont comme des robots. Tenez, il y a un cargo de Formose qui croise notre route. Maintenant, nous avons des équipements de haute technologie, comme dans les avions. Dans les avions, vous avez aussi ce genre de carte électronique. Mais la technologie a ses limites. C'est toujours serpillière et huile de coude. À peine quitté le port, il faut se débarrasser de la suie évacuée par l'énorme cheminée du bateau. Règles d'or de la navigation, propreté et sécurité. Ça prend une journée entière, car nous avons un grand bateau, il fait 330 mètres. Et nous devons nettoyer partout, même entre les ponts. Car si les dockers chinois ont laissé de la nourriture sur le bateau, il faut tout enlever avant l'arrivée aux États-Unis. Parce que là-bas, ils ont une police très stricte. Nous sommes mis en quarantaine avant l'inspection de leur service. Ils viennent à bord pour vérifier que nous ne transportons pas d'aliments achetés en Chine dans nos cabines. Le Vivaldi va naviguer 13 jours durant sur le plus grand océan du monde. Au cœur du monstre d'acier, les hommes sont à leurs postes respectifs. Sans sourciller, ils se concentrent sur une mission bien définie. Un passager qui embarque sur cette usine flottante aura tout le loisir, au cours du voyage, de découvrir les ficelles du métier, s'il sait apprivoiser les hommes. Le capitaine Cervanti a choisi son cap. Il est aidé par un logiciel performant de prévision météorologique. Il pense d'abord à ses hommes et à sa cargaison. La traversée sera plus longue, mais plus sûre. Nous avons opté pour la route sud. Nous passerons plus au sud parce que la météo vers le nord n'est pas bonne. Avec une grosse mer, des vents très forts, 16 à 17 nœuds. Il faut éviter ça. Entre Taïwan et le Japon, le Vivaldi n'est pas seul. La vigilance est de mise dans cette région du monde, où les embarcations les plus sommaires côtoient des navires hauts comme des buildings. Comme vous pouvez voir, il y a des bateaux aux environs. Voici notre position, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bateaux de pêche, ça se voit. Il n'y a pas de petits bateaux aux alentours, à cause du vent. C'est
Voilà un des plats préférés des Croates, le kebab sissi. C'est un des plus populaires en Croatie. Parfois, le capitaine me demande « Hey, Custo, des kebabs sissi ?» Alors je lui en fais. Parfois, les officiers sont norvégiens, alors je fais de la cuisine norvégienne. Parfois, ils sont anglais, alors je cuisine anglais. Bon, anglais, c'est facile. C'est comme les Américains, les Anglais. Quand je rentre chez moi, je ne cuisine jamais. Jamais, jamais. Même pas un œuf. Parce que c'est mes vacances, vous savez. On travaille dur sur le bateau. Pas de vacances, pas de dimanche, pas de congé. Alors quand je rentre chez moi, pas de cuisine. Même un œuf, je ne sais plus le faire. Sur le Vivaldi, c'est le cadet Randy qui détient tous les records. Il est le plus jeune et sa mission est la plus longue, un an passé sans sa famille. Le bateau, c'est ma deuxième famille. Tous ici me traitent comme un petit frère. Je n'ai que 20 ans et ils ont 30, 40 ou même 50 ans. Parfois, on a le mal du pays. On est à des milliers de nautiques de chez nous. Mais bon, il faut se convaincre que c'est la vie. On a besoin de travailler, d'aider notre famille. C'est la vie, et c'est celle que j'ai choisie. J'ai travaillé 3 ans sur le Queen Elizabeth II. Mais je préfère travailler sur les cargos. Parce que sur les bateaux de croisière, on bouge tout le temps. On fait des heures supplémentaires en permanence. Et dans les ports, on est aussi très occupé car les passagers changent. Et il faut faire vite pour tout remettre en ordre. À bord des cargos, on a du temps pour soi. Nous, les Philippins, on est de grands travailleurs. On ne se plaint pas. Les compagnies européennes, les armateurs doivent aimer cela. Et nous communiquons facilement avec toutes les autres personnes qui travaillent à bord. Manuel retrouve ses habitudes de croisière lorsqu'un passager tente la traversée. C'est avec lui, le steward, que le voyageur passera le plus de temps, souvent au petit déjeuner. Un moment privilégié qui se vit rarement sur les bateaux de croisière. Quant à la piscine, qui se remplit quand on quitte les zones polluées, elle n'est jamais surpeuplée. Les marins ont bien trop de travail. Nous vérifions tous les jours les attaches des conteneurs, spécialement quand il fait mauvais temps comme en ce moment. Il y a un vent très fort à l'extérieur et cela va empirer. À cause du roulis, les conteneurs peuvent se perdre en mer. Il faut absolument resserrer les attaches, sinon nous perdrions beaucoup de la cargaison. Bonjour messieurs. Soyez prévenus, s'il vous plaît, qu'à 13h aujourd'hui, le temps du navire sera avancé d'une heure. Merci et bon appétit. Durant la traversée, le temps perd de sa substance. Les heures sont happées à chaque nouveau fuseau.
Il y aura même au milieu de la traversée une sorte de bégaiement du calendrier. Bercée par les vagues et le quotidien, la vigilance des marins ne doit pas être entamée. Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés. Chef ingénieur. Garvan. Garvan. Yes. Pilchich. Manua. Chunko. Allez, on y va. Tout le monde dans le canot de sauvetage. En cas d'urgence, c'est encore le steward qui se chargera du passager. C'est lui l'ange gardien des passagers éventuels. Capitaine, dans le canot numéro 2, tout le monde est à bord. Prêt à abandonner le navire. Vous pouvez maintenant leur montrer le dispositif suivant avec la combinaison de survie, en cas de naufrage, feu, etc. Bien reçu, capitaine. Chaque membre de l'équipage doit être capable d'enfiler la combinaison de survie en moins de 3 minutes. De l'autre côté, de l'autre côté. Tu peux maintenant sauter dans la piscine. Ce sera plus réaliste. Si ce n'était l'éloignement, on pourrait presque penser que les marins du Vivaldi ne manquent de rien. Qu'est-ce qui nous manque ? Seulement les amis. Pour moi, les habitudes. Mais pour ma fiancée, c'est très difficile. Elle me dit, je n'aime pas ton travail. Je ne veux pas être séparé de toi. Mais elle accepte. Damir est le seul électricien à bord. Sa responsabilité est grande. Électricité à tous les étages, de la salle des machines à l'ordinateur du capitaine, en passant par les frigos, il n'a guère le temps de s'ennuyer. Vous savez, quand vous travaillez dans une entreprise, vous faites souvent la même chose tous les jours. Ici, sur le bateau, je travaille. Par exemple, aujourd'hui sur les lampes, demain sur un équipement électronique, après-demain sur les radars, etc., etc. Pour moi, c'est plus intéressant. On garde son esprit, comment dire, toujours en apprentissage. Contrôle quotidien des containers frigorifiques. Damir aime être occupé. Cela lui évite surtout de trop réfléchir. Vous savez, dans le monde, il y a différentes nations et différentes mentalités. Et certaines de ces mentalités peuvent... J'ai entendu dire qu'elles pouvaient débrancher quelque chose dans leur tête et oublier la famille. Elles peuvent survivre comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal si on peut simplement débrancher son cerveau et ne plus y penser. Voici le ventre du monstre. Une puissance de propulsion impressionnante. Ici, le bruit et les vibrations sont d'une telle ampleur qu'on ne s'y risque que lorsque c'est absolument nécessaire. Les mécaniciens, eux, sont rodés à ce régime de forge. Et malgré le niveau sonore, ils auscultent et écoutent en permanence le pouls des machines.
qu'une panne advienne en plein Pacifique et les hommes ne seraient plus maîtres à bord. Milan est le médecin particulier du Vivaldi. Comment est la température? Tout est sous contrôle. Quand ils augmentent la puissance du moteur, il y a beaucoup de perturbations, comme par exemple des montées de pression ou d'autres effets. Il faut compenser en ouvrant des soupapes pour réduire la pression, la ramener à des valeurs normales. C'est un navire gigantesque, des moteurs gigantesques. Nous sommes toujours à la pointe du progrès technologique. Il y a plus de 93 000 chevaux de puissance dans ces machines. C'est une puissance incroyable, mais c'est ce que le marché réclame aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Spécialement ces 10 dernières années, quand les porte-containers ont commencé à grossir, ils ont voulu aussi augmenter la vitesse, transporter plus rapidement la cargaison et ils ont construit des moteurs de plus en plus gros, plus sophistiqués. Ce sont maintenant des appareils très sensibles et nous devons y faire très attention. Les compagnies doivent nous former en permanence. Ils m'envoient à Copenhague, directement chez le fabricant, pour en apprendre toujours plus sur ce type de moteur. Il y a 5 ou 10 ans de cela, on ne pouvait même pas imaginer que c'était possible. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Même si chacun possède tout le confort dans sa cabine, lecteur DVD, ordinateur, il n'y a pas de contact possible avec l'extérieur. Les portables ne captent qu'à proximité des côtes, pas en plein océan. La notion de retraite, hors du temps et hors du monde, prend tout son sens. Alors pour ceux qui vivent en permanence sur le bateau, il vaut mieux que l'ambiance soit bonne, car les véritables vocations de marin sont rares. Moi, je devais entrer au séminaire, mais mes parents en ont décidé autrement. Évidemment, ce n'est pas mon souhait, mais j'y suis et je dois m'y faire. Parfois, quelques parfums de brioche ou le bruit familier d'un aspirateur évoquent le foyer. On pourrait alors oublier que la mer gronde tout autour. Le passager d'un cargo est confortablement installé. Cabine spacieuse, cuisine variée et produits frais, il est nourri, logé, blanchi. Oubliez le scorbut, les rats, la peur des femmes à bord, tous les fantasmes des vieux cargos rouillés. Le Vivaldi est presque un 5 étoiles des mers, à condition d'aimer sa tranquillité. Dans cet univers, les gestes quotidiens, les repas ou le plaisir de pouvoir communiquer dans sa langue maternelle sont autant de liens forts qui rapprochent de ceux qui sont loin. Je peux manger au mess des officiers si je veux, mais je préfère la cuisine de ce côté, la cuisine philippine, parce que je suis philippin. Mais je suis libre de choisir. Il y a des bateaux où les capitaines sont très stricts. Ils veulent que les officiers et l'équipage mangent chacun de leur côté. Mais nous avons un bon capitaine, très sympa, qui nous laisse manger où on veut. Thank you.
Entre le ciel, l'eau et une terre bien trop lointaine, les repères ont vite fait de fondre. La cohésion à bord est maintenue grâce à un juste équilibre entre la discipline et les petites entorses aux règles, comme celle par exemple qui interdit l'alcool. Ce soir, Damir est un homme heureux. Il passe le 180e méridien, le jour de ses 46 ans. C'est une coïncidence, mais nous passons la ligne internationale du changement de jour qui nous retarde d'une journée le calendrier. Et demain, ce sera encore une fois mon anniversaire. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir deux anniversaires de suite. Alors, ça veut dire que demain, on recommence la fête, bien sûr. C'est un mercredi 21 février qui recommence. Un jour de travail supplémentaire pour tous les passagers du Vivaldi. Une notion étrange que les marins ont depuis longtemps intégrée à leur quotidien. Lors du voyage retour, ils sauteront sans sourciller du mardi au jeudi pour retrouver le calendrier asiatique. Il reste 5 jours de navigation avant d'atteindre les côtes américaines. Il faut donc se débarrasser des déchets avant l'arrivée. Le cargo est équipé d'un incinérateur pour les papiers et les cartons. Les règles internationales sont très strictes au sujet des rejets dans la mer. Ne passe par-dessus bord que ce qui peut être consommé par les poissons. Quand nous passons dans des détroits, il y a beaucoup de trafic. Mais en pleine mer, comme ici, c'est très rare de voir quelque chose. Sur un voyage de 12 jours, on peut croiser parfois 2 ou 3 navires, mais ils sont loin, 20 miles, 10 miles, comme ça. L'isolement est total. Il n'y a pas de médecin à bord. Un passager doit signer une décharge avant d'embarquer. Soudain, la fatalité prend tout son sens. C'est le second officier qui est responsable ici. Mais comme il est blessé, alors je l'assiste. Oui, parce qu'il a son brevet. Eh bien, les maladies que l'on soigne à bord sont les maladies courantes, comme les maux d'estomac, les migraines. Tout ça, c'est pour les premiers soins. Il ne faut donc manquer aucune occasion de se réjouir. Demain, pour Damir, les anniversaires seront finis, au moins jusqu'à l'année prochaine. À l'approche des côtes américaines, les contrôles internes s'intensifient. Vérification du matériel de sécurité, vérification de l'hygiène, vérification des conditions d'alerte en cas d'incendie. Le temps galope vers l'est et les marins commencent à envisager une petite sortie dans le port de Long Beach pour téléphoner à la famille et faire quelques achats. Aujourd'hui, c'est un exercice d'alerte au feu que nous allons faire. Nous allons vérifier le matériel de la cabine d'incendie pour voir ce qu'elle contient. Ensuite, nous irons en cuisine pour éteindre le feu.
Ici, nous avons des combinaisons de protection chimique en cas de feu de CD. CD, c'est conteneur dangereux, marchandises inflammables. Casque de protection et masque à oxygène sont ici. Tout le monde doit le savoir, ok? On va y aller, on peut commencer l'exercice. Tiens, prends celui-là. Je te montre où c'est, viens par là. Le feu, c'est ce qu'il y a de pire. La pire chose qui puisse arriver ici à bord. Pendant un voyage, spécialement sur ces bateaux porte-containers, 90% des accidents viennent des containers dangereux non déclarés. À l'intérieur, des feux d'artifice, des choses comme ça qui flambent facilement. Actuellement, on peut dire que les bateaux sont très bien équipés pour ce genre de problème. Mais parfois, même cet équipement ne suffit pas. Le feu, c'est terrible. Et on ne sait jamais où il va prendre. La chose la plus importante est la détection de l'incendie. La première fumée, le premier danger, c'est au début qu'il faut agir. Ensuite, on n'a plus aucune chance. Demain, la journée s'annonce très belle. Il y aura un cochon à la broche. L'animal attend dans un congélateur depuis la Chine. Il fera bientôt des heureux autour du barbecue. Comme chaque matin et chaque soir, Milan oublie le vacarme de la salle des machines et les innombrables rapports techniques en marchant tout autour du bateau dans les coursives. En deux tours seulement, il aura fait plus d'un kilomètre, une façon comme une autre de dormir l'esprit tranquille. Ce cochon à la broche représente bien plus qu'un bon repas en perspective. Il est là pour casser la monotonie du voyage, donner l'illusion à l'équipage d'être invité à une fête de famille. Chacun participe à la cuisson à tour de rôle, sans notion de hiérarchie ou de contrainte. Ce cochon est vraiment gros, plus gros que d'habitude. Ça pèse environ 15 kilos, un cochon. Celui-là fait plus de 20 kilos, mais on n'y peut rien. C'est important d'être avec l'équipage, d'être proche d'eux, de les encourager pour tout et même pour ce genre de choses. Pour être ensemble un petit peu, pour discuter. On se tient les coudes, vous savez, dans tous les cas. Il y a deux nationalités et 23 personnalités différentes à bord du Vivaldi. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve autour d'un repas pantagruélique. Un repas qui rappelle autant la Croatie que les Philippines. Les hommes se connaissent la plupart du temps par leurs fonctions, plus que par leurs prénoms. On dit le capitaine, le second, le chef cuisinier, mais très rarement Vinko, Zeljko ou Adelio. Et même s'ils peuvent ne plus jamais se croiser sur d'autres bateaux, la cohésion du groupe le temps du voyage est une notion essentielle. C'est aussi ce qui fait la différence pour un voyageur de passage. Chez nous, on appelle ça un cochon grillé, sarkling. Et on le réserve pour les grandes occasions. La fête de village, les mariages, les grandes célébrations. Noël, le nouvel an. Sur le bateau, c'est une tradition de faire un barbecue pendant les longs voyages comme celui-ci. 14 jours en mer. On le fait une fois pendant la traversée vers l'Asie et une autre fois vers l'Amérique. One time again on the way to America.
La Terre est maintenant proche. Les signes de sa présence se multiplient. Un petit vent de soulagement parcourt les ateliers. Mais il faut rester professionnel et s'acquitter de son travail quotidien. Une simple soudure à fond de cale, au milieu des containers, et c'est une longue manipulation de matériel entre les échelles et les passerelles très étroites. Il faut être précis, ne rien oublier, rester concentré. À chaque instant, la sécurité de tous dépend du professionnalisme de chacun. La frontière qui s'approche, c'est un peu de stress supplémentaire pour l'officier chargé de l'administration. Depuis plusieurs jours, il lit et relit les longs dossiers d'admission qui seront présentés aux agents de l'immigration. Aux États-Unis, plus qu'ailleurs, l'erreur, même infime, se paie le prix fort. Aux États-Unis, c'est très strict, spécialement les gardes-côtes et les agents de l'immigration. Par exemple, si vous remplissez les fiches et que le numéro du passeport comporte une erreur, vous aurez droit à une grosse amende. Ça peut aller jusqu'à 5 000 $. C'est ça, la loi américaine. OK. Après les manœuvres d'urgence et les exercices de sauvetage, on vérifiera la liste des consignes d'urgence. OK, c'est bon. Maintenant, vous pouvez procéder à l'exercice et rejoindre l'électricien et le capot. Ils vous attendent dans la salle des machines. Ultime exercice d'alerte avant la côte. Cette fois, c'est la salle des machines qui est explorée par tout l'équipage. Le test, grandeur nature, consiste à stopper les machines pour ensuite remettre le moteur en route. Pour une fois, le géant est livré entièrement à l'océan. Les hommes tentent de reprendre la main. Le test est concluant. Un soulagement pour Milan et son équipe qui consacrent toute leur énergie à soigner ces 93 000 chevaux marins. Le géant est reparti de plus belle. Il faut maintenant l'apprêter pour son entrée dans le port de Long Beach. Il doit passer sous un pont et sa hauteur actuelle ne lui permet pas cette fantaisie. Plus haut, plus gros et plus imposant que jamais, les géants de la mer doivent pourtant trouver le moyen d'arriver à bon port. Une fois que le bateau est opérationnel, c'est aux hommes de se préparer. Demain matin, avant l'aube, toute personne présente à bord devra se trouver dans une pièce close pendant que les gardes-côtes fouilleront le navire. À son quart de nuit, Selchko n'est qu'à la première traversée de sa mission. Le temps est encore loin où il pourra rentrer en Croatie. C'est très difficile pour certains hommes qui ont une famille. Une femme, des enfants, 2 ou 3 enfants. Par exemple, si vous restez 4 mois à bord, 4 mois et demi, vous restez chez vous pendant 2 mois. Par an, cela représente 8 mois d'absence. Moi, je suis célibataire, mais pour les autres gars, ils s'habituent avec les années. Ils prennent les choses comme elles viennent. Il est 5 heures du matin. Le regroupement est effectif. Tout doit être parfaitement en règle, sous peine d'immobiliser le bateau au large
ou pire encore, de devoir quitter les eaux territoriales américaines dans l'heure. Les gardes-côtes sont annoncés. Bess, comment ça va? Bien. Ok. Monsieur Cruz, sur quel pont vous travaillez? Pardon? La cuisine, où se trouve-t-elle? Juste là. Juste au-dessus? Encore au-dessus. On continue ici et ensuite vous irez avec les agents en cuisine. Pour l'instant, j'ai besoin de vous avoir sous la main ici. Quel est votre rôle? Cadet de pont, monsieur. Cadet de pont? Vous apprenez beaucoup? Oui, monsieur. Ok. Vous le faites bosser? Fonction? Troisième officier. Merci. Une fois que le pilote aura appelé, vous pourrez entrer au port. Si vous avez besoin d'une copie de la décision du bureau, notre agent vous en donnera une à quai. Donc dès que tout est en ordre, on peut manœuvrer? Aussitôt qu'on sera parti. Dès que j'aurai dit merci, on s'en va. L'inspection aura duré 2 heures. L'autorisation de manœuvrer est donnée. Pas de passagers clandestins, pas de problème de sécurité, pas de denrées alimentaires interdites. Le Vivaldi est un bateau bienvenu aux États-Unis. C'est un soulagement. Oui, ça s'est bien passé, ils étaient sympas. Ils ont inspecté les cabines, les ponts, et ça allait, tout était en ordre. Alors ils sont repartis. Tout droit ici, on prend le pilote et ensuite là. C'est le quai. Voilà le pont Desmond. Après 12 jours à voir la Terre, c'est merveilleux. Bonjour, comment ça va? Bonjour. On se revoit. Je crois que l'on s'est vu il y a un mois. Oui? Oui. Alors, les radars marchent bien? Nous avons 4 remorqueurs. 2 de chaque côté à l'avant, 1 à l'arrière et un autre prêt à intervenir. Si les ports chinois ont des pilotes fonctionnaires, les ports américains font appel à des entreprises privées aux méthodes ultra sophistiquées. Les copilotes installent des antennes GPS de chaque côté de la passerelle. Entre les ordinateurs portables et les satellites, toutes les chances sont réunies pour que le Vivaldi finisse son voyage en beauté. Il faudra 2 heures pleines pour que le géant parvienne jusqu'au quai A, sous le ciel de la Californie. Cette passerelle si frêle à l'horizon avait été construite pour des porte-containers ne dépassant pas 76 mètres de hauteur. Ils sont très qualifiés, très professionnels et bien équipés. Le pilote et ses coéquipiers sont très très sympas. On a 4 remorqueurs avec nous, il n'y a pas de problème. Il fait beau, pas de vent fort, tout va bien. Les passagers sont de plus en plus nombreux à faire la traversée sur l'un de ces seigneurs de la mer. Un voyage initiatique à la découverte d'un autre monde où les technologies les plus modernes côtoient les angoisses qui accompagnent les marins depuis la nuit des temps.
Traverser le Pacifique, c'est avant tout faire un voyage à la rencontre de soi-même. Le 4 mars, nous serons à Auckland et nous naviguerons vers la Chine par la même voie que nous venons d'emprunter. Certains hommes de l'équipage seront remplacés à Hong Kong. Généralement, 3 ou 4 d'entre eux pourront rentrer à la maison. Voici le programme du bateau. Ça s'est bien passé. C'était une belle traversée. Pour la prochaine fois, on verra. On peut s'attendre à tout. Le Pacifique, c'est le Pacifique. Parfois il est calme, parfois il est vraiment mauvais.